Bonjour à tous, j'ai souhaité vous dire quelques mots aujourd'hui, c'est afin de revenir sur les événements qui ont secoué la Tunisie. J'estime en tant qu'artiste, mais aussi surtout en tant que comme d'origine tunisienne, qu'il est de mon devoir de communiquer à ce sujet. J'étais une enfant pure et mûre, couverte de blessures, prête à offrir mon cœur en espérant trouver l'âme sûre. Je t'ai rencontré, dans tes yeux j'ai cru y trouver un père que je n'avais pas, un homme qui me tendait les bras. J'ai laissé à Dieu mes idées noires, mon passé trop lourd. J'ai laissé mon armure, t'ai confié tout mon amour. Dans tes yeux j'ai exorcisé le mal qui t'habitait. J'ai illustré l'imaginaire dans tes dessins de guerre. Comme si j'avais fait toutes les guerres, comme si mon cœur s'était resserré, comme si j'en avais pas assez vu. Que je vis en France, j'ai comme beaucoup d'autres Tunisiens émigrés de la famille en Tunisie. 3 ans dans ses bras, mon lover s'est changé en menteur. Le grand prince de mes rêves, je vénérais comme un seigneur. C'était ma dépendance et je déclare ma délivrance. J'y ai perdu mon inconscient, j'y ai laissé mon innocence. Tu peux être infidèle et ne plus jamais revenir. Tu peux inventer des promesses, je ne t'appartiens plus. C'est toi qui pleures, c'est moi qui gagne entre l'enfer et mon avenir. Je m'en vais là où personne me retient d'aller encore plus loin. Comme si j'avais fait. Légitimement comme mon pays. Le chômage des jeunes et des moins jeunes, le coût de la vie exorbitant, la corruption tentaculaire, la possibilité que les gens sont tristes et bizarres dans cette situation, même si j'en avais pas assez vu, je n'ai plus peur du danger qui m'empêchera d'avancer. J'étais une enfant pure et mûre, couverte de blessures, prête à laisser mes rêves en croyant trouver l'âme sûre. Je suis tombée sur un de ces voleurs d'innocence. Trahis des fous, même des loups, d'âme et de corps, je tiens debout. Tu peux être infidèle et ne plus jamais revenir, mais tu ne dois pas baisser les bras, tu dois réussir. Regarde-moi entre l'enfer et mon avenir. Je n'ai plus peur du danger qui m'empêchera d'avancer. Le chômage des jeunes et des moins jeunes, le coût de la vie exorbitant, la corruption tentaculaire, pour citer que, sont des tristes exemples de cette situation invivable que la Tunisie subissait.